lui a ajouté un scanner, ce qu'on appelle un scanner 3D dynamique. Au fur et à mesure qu'il se déplace, il capte l'intégralité de son environnement en 3D et en couleur. C'est un peu de laisser. Oui, il est très bien dressé. C'est l'IA qui fait les optiques. Exactement. On fabrique les capteurs qui permettent de faire des scans 3D de l'environnement. Et en final, le chien n'est qu'un porteur pour pouvoir aller dans les endroits. Alors il a un nom, il s'appelle Ulysse, en l'occurrence. Mais effectivement, il est intéressé pour aller relever l'environnement, notamment dans les endroits où l'homme ne pourrait pas accéder. Donc c'est ça, il peut aller dans des endroits où l'homme n'a pas accès. C'est exactement. Qu'est-ce qu'il peut faire, qu'il peut examiner. Il reconstitue l'environnement. Ouais. En fait, si... Je vais mettre cette plateforme là, parce qu'on est moins dans ce cas.